Salut les Bah, on mêmes. garde les mêmes, hein. On va pas changer, hein, en maintenant. Ça serait bizarre quand même. On garde les mêmes et on change à la toute fin. J'avoue, ça serait bizarre quand même. Journal de bord. Ah, mais il y a un. Théo, look what I found. Let's play. Quoi comme jeu? Il a l'air super au jeu. Ouais, il s'appelle Grenade Brother. C'est Mario chez. C'est Mario en Afghanistan. Hein. Les Grenade Brothers. Hey, il est beau le journal! Hein. C'est dommage que je sache pas lire. Attends, je me prends un peu tôt. Ah non, je me rase la tête. Non, non, tu te laves la main, bah tu te laves le visage avec avec une bobonne d'eau, hein, tranquille. Fais ce que je veux, ok? T'es pas ma Attends, mère. je bouffe On dirait que je pisse sur la borne. Hein. Ouais, ma mec qui s'est calcé le cul à modéliser le jeu et puis. Ah, faudrait peut-être l'hélice hein, pour que l'avion il marche. J'ai hein. Bon, il y en a pas besoin. C'est plus marrant, c'est plus ça. ça. Hein. Il fait du sur place. C'est un camion quoi. Bon. Je peux pas faire avancer l'avion si vous débranchez pas le tuyau. Ouais, je me casse, moi. Allez, ça. Salut. Ah non, mur invisible. On dit non. Écoute, on s'est cassé le cul à développer le hangar. Crois-moi que. Hein. Tu vas y rester, mon cochon. Et moi, je suis sur ma borne, là. Comme un connard. Fermez le robinet. Bon, les gars, là, ça fait 3 heures que je vous attends. Hein. Commencez à me casser. Hein. Attends, je me rase un peu. Ah non, c'est les bords maintenant. Ah non, parce que la tête, elle est morte. De toute façon, c'est qui paye la facture d'eau? C'est pas nous. Alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Profite. C'est pas nous qui payons l'électricité, c'est pas nous qui payons l'avion. Nous, on est Attends, là. j'ai bientôt fini. Les gars, putain, j'ai pas toute l'après-midi devant vous. On me cassait les couilles. Et là, on a une fin, on a un game over parce que on n'avait pas pris l'avion. Ah, il y a un Oui, jeu de il y a fléchettes. des fléchettes. Je pourrais prendre ma vengeance Ah sur ouais, la c'est vrai main. que je t'avais battu aux fléchettes. Pas que t'es déjà venu ici, mais j'ai des doutes. Hein. Ah non, ça ressemble à l'autre endroit. Puis tout se ressemble dans ce hangar de merde. Faut faire gaffe, hein, vous stockez du gaz, hein, ça, si jamais ça pète. D'accord. Il y a un mec qui s'est quand même cassé le cul à modéliser un hélicoptère. Tout ça pour qu'il y a peut-être 80% des joueurs, même pas, qui passent à côté, quoi. Ouais. Écoute, je veux pas faire partie de ces 80% de Oh, un joueurs. hélicoptère. Quand même un mec qui s'est cassé le cul à modéliser toute la zone. Et les joueurs, ils peuvent rester 5 minutes dessus. Ah. Ah, tu peux voler un hélicoptère. Et là, c'est un. Et là, tu débloques un mini-jeu. Ça sent la mauvaise, ça sent quand même le drame, hein. Puis là, Vincent, puis 3 heures sur sa borne en attendant que quelqu'un vienne jouer avec lui. Le mec. Ah! Là, tu m'as eu un succès. Ah bon? Vous avez débloqué SOS. Bon, bah merci, hein. Attends, bah du coup, je peux savoir le nombre de gens qui ont découvert cet hélicoptère. Tant que t'arrives, hein. Ah bah là tu vas te couper là. Ah merde. Si t'enlèves le jeu, ça coupe tout. Ouais. Ah merde. Bon, je regarderai après combien de joueurs ont découvert l'hélicoptère. Je vais aller voir ce qu'il y a ici. Là. Un barbecue. Enfin, rien car c'est fermé. Ah non, les gars, putain.
Déjà, la meuf, elle chiale parce qu'on ne retire pas son tuyau, là. Elle fait attention, si on t'entend, on pourrait croire que tu parles d'un autre tuyau. Ouais, j'avoue. Mais je parle le tuyau pour l'essence. C'est bon, j'arrive. Les gars, je peux pas retirer le tuyau. Ah, mais avant. Ils sont même cassé le cul, là. Ça sent vraiment casser le cul, hein. Ça te rappelle la prison, ça. Hein. Premier truc qu'on a fait en arrivant en prison, des pompes. Mais c'était plus en plutôt. Bah oui. Faut défoncer la manette. Hein. Oui, c'est il a intérêt à être fiable à tout jeu. Ah, je sais pas, hein. Ça s'appelle Grenade Brother. Bonjour. Ah bah. Un autre succès, comme. Espace pour sauter. D'accord. 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 Moi, ouais, si je suis pas un peu seul choix, mais c'est pas. Bah, moi non plus, du coup. Mais c'est de la. D'accord. Je m'énerve pas. D'accord. Non, ne pas balancer un truc dans le sur le. Premier change. Putain. C'est de la. Wow. Attends, mais c'est de la triche. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh là là, c'est tendu, hein. Oh là là, ouais. je me suis chié dessus. Ah, mon perso, il a le seum. Un mec, quand même, qui a développé ce truc, il s'est dit. C'est en maîtrise. Ah, c'est là. Ou pas. Putain, mais c'est quand je suis sauté que je l'ai raté. Je reviens dans la partie. Oh Oh là là. putain, mais. C'est de la merde. C'est ce qu'on appelle suivre le site. Ce site commercial. C'est ridicule. Mais Bon c'est de bah la je vois que merde! tu es en train de te jouer tout seul, t'as pas besoin de moi en fait. Bah ouais. Je vais encore perdre. Je me suis dessus. Ouais. C'est qui fait ce jeu? Bah GG, t'as gagné. Voilà, maintenant c'est fini. Voilà. Allez. Attends, viens, on fait une partie de fléchette. Je prends de ma revanche. Alors, on n'arrive pas à tirer? Pas quelle touche c'est. C'est de la triche, hein. La souris c'est plus facile. Voilà. T'as 100 points. fait une assassin. Voilà, j'ai fait 100 points. Ouais, bah je m'occupe de ton tuyau là. J'avais oublié celle-là. Ah. Damn it. Eh, this
Ouais, trop de sacs. Ah ouais, je l'ai éclaté. Ferme le robinet. D'accord, je ferme ton robinet. Voilà. Ouvrez les portes du hangar. Putain, il faut faire tout à sa place, quoi. Je peux pas passer. Je lui donne le journal de bord. Bon, moi, on m'a pas dit jusqu'où il fallait ouvrir. Hein. Non, pas moi, je t'attends, moi. Dans l'avion. Ouvrez les portes du hangar. Comment ça, il faut les ouvrir? Montez dans l'avion. Ta gueule! Par esprit de contradiction, je. Voilà. Le jeu commence. Ah, on en est au début du jeu, on était là, on était dans l'avion. Mmh. J'avais joué à un jeu vidéo avec un ami. D'accord. Bon, si on arrive au Mexique avec ce truc, franchement. Franchement, c'est une réussite. Hein. Bon, bah voilà, on est là dans le jeu. You nervous? No. Forcément, c'est là où on tue des gens parce que bah on a eu des armes quoi. C'est pas pour faire de la figuration quoi. Thinking about your situation with your wife. I might have a solution for it. Ah bon? Okay. D'accord. You should write her a letter. Ah bah oui, c'est sûr qu'une lettre ça va tout changer. Look, je demande le divorce. Bisous. But I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out and she gave me a second chance. Ça va, hein? You know? Ça a l'air facile quand même. Pardon chérie, j'aurais pas dû te tromper. C'était une erreur. Bisous. Je sais pas en quelle année on est dans ce jeu. J'ai cru qu'elle allait dire je sais pas écrire. Ah. C'est effectivement un problème. Fin du jeu. L'avion se crash, fin du jeu. Bien joué. On n'a pas acheté le TLC pour le dernier jeu. Dommage. DLC qui est sûrement sur Origin. Ah, ça sent le mini-jeu de merde où si tu te loupes, ben voilà. Ça sent le mini-jeu, je pense plutôt. D'accord. Tu devrais essayer dans l'avion. Hein. Quoi? Moi je repose qu'au reste là. Quoi? Ah, salut. Moi j'appelle ça une tentative de meurtre, hein, mais bon. Oui. Bon, maintenant il y a des cercles et tu dois aller dans les cercles. Tu prends ton Mario parti. Oui. Voler vers le point d'atterrissage, d'accord. Non, aussi je vais par là. Moi. Ah ouais, c'est scripté. Et si je te laissais crever? Ah ouais, t'es trop bas. Est-ce qu'il s'explose? Ouais, vas-y, j'ai envie de voir comment il s'explose. Ah!
Je suis curieux de voir ce que ça donne, un crash. Ah, il est long. Il est long, ce lait, quoi. Il est lent, ce lait. Bon, j'ai compris, il faut que je te suive, quoi. Coucou. 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 Il est où? Ah ouais, t'es... Oh, t'es tombé aussi. Oh, tu viens me chercher ou... Non, je... Coucou. T'as besoin d'un parachute? Vous avez besoin d'un parachute, monsieur? Oui. Pas de chance, j'en ai pas. J'ai un parent, vu. Ah, c'est moi qui dois... D'accord. Je vais pas faire de parachute. Si je vais dans l'eau, il se passe quoi? Bah, tu peux essayer, on verra bien. Vas-y, on va se cracher en pleine mer. Ouais! Je suis pas sûr que ça marche comme ça, hein, les parachutes dans la vraie vie, mais bon. Si je suis dans l'eau, il se passe quoi? Essaye, on fait une run au combat pour qu'on a toutes les morts possibles. Vas-y, je vais nous crash dans. Putain, y'a un mec qui s'est emmerdé à faire un caillou là-bas. On va finir en haut de mer. Hein. C'est un pouffé par un requin. Ah, ça serait marrant. Mode vas-y, un requin. Là, on va pas couler, là. Bon, c'est pas vraiment une mort, hein. C'est juste cracher dans l'eau, quoi. Ok, y'a une sauvegarde ici. Cette fois, moi je vois que je suis plus, donc allez, je te laisse. Salut. Ouais. Vu comment c'est lent, bon. Bon, bah demain. Hein. C'est pas comme si ce parachute prenait 4 heures. Bon, après, dans la vraie vie aussi, le parachute, ça prend 3 heures. Moi, je suis pas un expert, mais je suis pas sûr que ce soit le moyen le plus discret pour attaquer. J'avoue, les mecs qui voient, regardent le ciel. Eh, mais regardez, il y a des parachutes. Ça passe quoi si j'ai atterri à 3 cm du truc? Comme tout à l'heure. Yeah. Comment ça? Mais je suis juste à côté. Donc, pose-toi sur le pixel, ouais. On va éviter de se retaper ça. Ouais, c'est surtout que c'est lent, quoi. Ah. Bah, je tourbille. J'ai que ça à faire. Ah. Ah, ça va, le jeu est sympa. Je pensais que Kous était pris là pour attendre la queue. Ouais, c'est ce que j'ai cru aussi, mais non, ça va. Voilà, on a fini le niveau du parachute. On a eu deux morts sur le niveau du parachute. Je sais plus c'était quoi l'autre option. Mais quoi? Il y avait une autre option à prendre le parachute et... J'avoue que j'ai oublié. Ça, alors voilà, dans un endroit forestier. Voilà, on est dans une jungle, quoi. Ah. On s'entraîne à la chasse musicale. Écoutez, monsieur, vous voulez du crack? J'en vends pas cher.
Et là, il y a un QTE. Voulez-vous attraper la main de Vincent? Non. Bon, bah, vous restez là. Ah, ça y est, les armes vont servir. Putain, ça parle espagnol-portugais. Enfin, j'en sais rien. C'est pas un peu raciste? Non. Non, mais. Je vois que ça a attiré que. Oulade! Oulade! Oula kata! Oula ketal! C'est du Call of Duty, hein? Non, non. Oh, pour le coup. Voilà, je suis arrivé dans leur dos. Oh, on peut pas tuer sur les... on peut pas tuer les cadavres. Bah, c'est bien sûr, on a limite, on a munition illimitée quoi. Ah non, je me croyais tombé. PU pêche. J'avoue, elle ressemble à la carte à l'île. Attends, je suis perdu dans les. Les... Faut monter. C'est du Dark Soul. On entre dans une fraction dans une maison, mais bon, on vient de tuer littéralement une dizaine de mecs. Ah, je me demande comment ils ont fait pour savoir qu'on était là. Sniper! Ah, heureusement. Oh, c'est le sniper le plus nu de l'histoire. Hein. Il est où? Il est derrière. Ah bah, tu comme un lapin. Voilà. Ben! Lui, je crois pas que ça soit possible de le. De le snipe, moi. Mmh. Je te tire dessus? Ah, dommage. Non. Il est fort, il passe à travers les murs, son arme. Je sais pas ce qu'il a comme gun, mais. Ah. Ah ouais, la mort pas d'effort, quoi. Dépêche! 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 Ah, tu m'auras jamais parce que je roule! Je suis un ballon de. Aïe! Aïe! Ah! Ah, la colonne vertébrale, elle a pris cher là! Ah, la colonne vertébrale! Pff. Allez hop! Si c'était pas la balle qui t'avait tué! C'est la fracture de la colonne vertébrale qui tourne. Bon, heureusement, il est un peu nul, quoi. Ah bah, je crois qu'il a oublié ses lunettes. Genre, il vise d'ici. Mais c'est le meilleur sniper de tous les temps. Plus vite. Ça me rappelle l'autre là qui avait voulu nous tuer là avec son pistolet qui tirait à l'infini aussi. J'avoue hein. Wow. Bonjour, c'est le livreur de pizza. Un mec il a lagué hein, vraiment. Ah ouais d'accord. Elle est longue cette zone. Plus vite. Fais pas trop d'efforts, hein, le collègue. Hein. Ça va. On est dans un. Ah, parle-toi.
Ah, si seulement l'autre elle nous avait vendu un snipe. Oui. Ok, moi je vais. Les mecs se doutent pas à un moment, ils vont arriver dans mon dos, non, je les vois plus. Ah. Ah. Shit. Leo, take out that sniper. Okay. Le mec a pas compris. Nice. Et Pueblo! Ah ben c'est toi. Ouais, je suis en bas. Eh, camarade! Je parle pas portugais, désolé. Il me parle espagnol, hein. Mec, un peu raciste, quoi. Vamos, vamos! Ouais, non, il parle espagnol. Oh, belle tête. Je vais danser sur leur cadavre. Mais vu que je peux pas, je roule dessus. Alors, t'es mort, Miguel? Ouais, t'es mort. Vas-y, tire sur moi pour voir. Je peux pas. Ah, dommage. Et je vais où, fait? Parce que alors, l'échelle, elle est pétée, donc... Avance. J'avoue. T'es perdu, avance. Moi dans mon pays. Ça va. Mais qui a pas compris comment il fallait se cacher, quoi. Comme tu es. Je sais pas. Ah, faut que je retourne dans le... Oh les glissades! Ah ouais, le mec a pas compris! Merci celui qui est sur mon écran. Ah ouais, non, d'accord, il te tire dessus quoi. C'est bon? Ah ouais, mec. Putain, mais tu. Ah, mais y'avait qu'un mec. Le mec il s'est. Il est instant kill. Ah! Là, tu t'en sors? Non. Pas trop. Ah bah c'est bon, tu peux tuer. Un verre en arène. Ah, ça me fait rappeler ton PUPG quand tu étais mort. De quoi? Je vais voir beaucoup de fois dans PUBG quand même. Non mais tu sais quand t'es allé dans l'arène là tout ça. Ah oui putain, mais j'ai survécu hein, dans l'arène. La seule fois où je suis allé dans l'arène, j'ai survécu. Oh l'impact de balle est magnifique. Il est mort comme une merde. Salut. Papa fait juste... Ah ouais d'accord, on a plus de gros armes. Mec, ils font pas d'efforts, quoi. En préventive. En préventive, le mec, il tue un lapin. Hein. Là, 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 là. What? Là, 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 là. Pourtant une voiture. Non, c'est la mer. Nique la nature. Est-ce que tu veux qu'on pêche tes poissons ah ouais, à la crevette? Le mec a pas compris le but de la visite, quoi. Beau mur, hein. Vincent, sois pas un débile. Arrête d'être con. Oh, Ah.
Ah ça, tu te fous de la gueule de qui là? Ça va, on risque pas. Je pense que la police mexicaine. Hein. Bah les couilles! Je suis pas là pour faire de la discrétion! Le mec a pas compris. Joue à Rambo ou joue à. À Wyatt là? Ah bah là, ça ressemble à Rambo là. Le mec est perdu là. Ah merde, avance, paye la playa! Coucou, j'ouvre mon cul. J'ai offert mon cul, il a rien dit le mec. Ah. Les narcotrafiquants ont eu. Coucou. Et une tête pour Bibi. Qu'est-ce que tu fais là, Miguel? C'est pas vu depuis le collège. Bon, ça, t'étais. Le mec qui fait aucun effort pour se cacher, quoi. Me gusta! Bon, il est pas mort, hein. Il a reçu une balle dans le bras, quoi. C'est un acteur, lui. Il a reçu 3 balles dans la tête, il doit être à moitié avoir du plomb dans le crâne, mais non. Putain, mais j'arrive pas à le viser lui. Je sais pas ce que ça veut dire, parler dans une langue que je comprends. Mec hyper raciste quoi. Coucou. T'es mort? Ouais, il est mort. Ah, tu veux faire mon cul? Bon, je crois que tu es. Ah ouais, d'accord. Aïe. Vincent, putain, on t'avait dit que t'avais un gosse. Vincent, t'as un gosse, putain. J'avoue comment ils sont paniqués d'un coup. Oh, bah... oh il a un petit souci avec ce gars, je crois. Ouais. Ah non, c'est pas. Il a trouvé le chemin. Il a trouvé comment. Contourner le. Mais là, Yudo! Me gusta! Bon, toi, t'as pas compris le but de te cacher, quoi. J'avoue le truc qui est destructible, c'est stylé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un derrière moi. Bon, je vais le chercher. Il est beau. Dans les couilles! Ah non. Regarde mec, t'es caché derrière rien. Hein. C'est bon? Ah. Ah c'est... Une grenade là, on aurait fait un gros strike là. Au même niveau que le que leur meilleur cas qui nous sont envoyés la dernière fois. Ciao.
Le mec a pas compris, hein. Attends, je vais têter. Je comprends pas, ça marchait avant. Waouh, t'as vu, c'est des sacrés pneus, hein. Ah, c'était pas par... Ah si. Ça y est, on voit des voitures. Ah, il y a les impacts de balles sur le carreau. Bon, je vois que tu t'en... Je vois que t'as laissé de jouer à notre jeu. Moi, je joue au jeu, je vais péter le carreau. Putain, c'est du petit âne, hein, leur truc. Non, mais la voiture te chaque game, merde. Putain, la voiture, elle était assurée, merde. Elle était pas assurée, justement. J'ai tout comme toi. Moi, oh, non, je cortais mon arme. Ah, on peut changer d'arme. Vas-y, je vais changer d'arme. Pour plus de plaisir. Pour plus de gunfight. Ok, c'est de la merde, j'en veux pas. Non, finalement. Bon, vas-y, je vais essayer une autre arme. Pour le kiff. Je suis sûr que tu vas y arriver. Maintenant. Oh shit. Ah bah là ça parle anglais. Vamos, vamos. Il y a que un mec qui parle anglais aussi. Ouais, je... C'est moi qui tire dans le... Mec, c'est vraiment dans Call of, quoi. Putain, il soit à qui le serait que la porte. Ouais. Hop. Petite voiture d'anévrisme. Oh non! Moi, j'ai trouvé un autre jeu, péter leur bouteille. Ah, mais non! La binouze! Quoi? Ah, je sais pas où t'étais parti. Non mais là t'as pas suivi l'action du tout là. T'étais en train de jouer à Candy Crush sur ton téléphone, je crois. Ouais. Bon voilà, s'ils sont pas morts, je comprends pas. Hein. On peut pas passer au-dessus de la poutre, tout simplement. Non, trop dur. Pour enjamber, c'est chiant. Oh, une piste. Ah. C'est marrant où t'es... Il est venu te chercher, quoi. Eh, caca, là, non! Je peux pas aller faire tonton la pénis, plutôt, pas trop avec ces Mexicains. Comment ça, lui? Je vais dans la piscine, salut! Non.
On peut pas me louper, hein. Ah si, on peut nager. Mais qui ont pas compris hein, le but de leur arrivée. Ça aurait été rigolo de faire ça avec les ennemis à côté. Voilà. Voilà, ça fait une belle statue. Ça va, tu t'en expliques ? Ouais, ouais. Vincent, putain, les... arrête de jouer avec les statues, là. Je sais pas où t'es. Attends, il y a une femme en rose. Oh, que... tu es pas prêt à venir, j'ai compris. Come and help me. The timing of me jumping into this pool is priceless. What the hell am I doing? Leo, non, je suis pas un expert, mais je suis pas sûr que prendre que mettre l'arme sous l'eau soit la meilleure des idées. Ready? Let's go. Police nationale. Police nationale, perquisition, monsieur. Alors là, il est en train de détruire sa propre. Ouais, il est pas. Il est pas très smart, hein. GGN. Alors, comme ça, on pirate Tatin. On va te prendre à aller sur Emu, enculé. Bien sûr, c'est des... Oh. Ah, t'as défoncé, quoi. Get down! En plus, il a un pot manor et tout, et il le... Grenade! Ah, il tend son cul, là, lui. Ouh. C'est bon, j'ai respiré de l'air pur, ça m'a... Bonjour monsieur. Et t'as pas compris. Ah, je crois que tu vas mourir, je crois. Non, parce que je regarde, je respire du bon sang, du sang, du l'air pur. Heureusement qu'on connaît pas à Paris. On serait mort tout de suite. C'est pas très visé, bien visé le monsieur. Hein. Ça va, j'ai plus un bras. Oh, zut, alors merde, je sais pas comment. J'ai reçu 3 balles dans le bras, ça fait. Mon point faible. Il connaît pas la technique de respirer de l'air froid. Bah ouais, putain, putain, con lui. Il se fait un bon coup, tu vas voir. Don't even think about it. Slide it over. Pas ce bras là où on a tiré dessus? Ouais, oh, je comprends plus rien. Here you go. T'es con, on a déjà des armes, il est con lui, putain. C'est quoi l'approche de Vincent? C'est quoi la différence entre les deux, quoi? Non, je veux, oui, c'est la confrontation de Léo. De Léo? Bah, vas-y, hein. Je sais pas ce que c'est la différence entre les deux, mais. Je c'est pas pour toi que son arme est chargée, sinon on est sans arme, là, c'est... Oh, là c'est un pistolet à eau. Pas de chance, hein. Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leave. Take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit. Why the hell did you do it? Okay, look.
That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Et là, tu me tires dessus. Et voilà, j'ai tout gagné. Et tu entends, tu sais, le boom et headshot. Ce serait marrant. Ah, vas-y, t'en de rien, moi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est la mort de la mer. Une morte de merde. Je sais pas, à un moment, il en avait morte, moi. Je sais pas ce que je dois faire, hein. Ah, je l'ai dans la gorge. Alors, je pense que la balle dans la gorge suffit pour le tuer, quoi. Voilà, si jamais t'en avais encore, bah là, il n'y en a plus. Là, dans le doute, c'est sûr et certain qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est comme ça qu'on termine un homme. On lui tire dans la bite. Ah, par contre, il y avait des motos. Je veux. C'est pas que les clés sont dessus. Ah, non, ça a trop de chance quand même. Hey. Mais les gars, votre employeur il est mort, hein. Ouais, on a eu une scène en moto, ça va mal le finir. Ça. Ouais. Ouais. C'est passé quoi? Ça va, ils sont sympas, hein. C'est pas quoi. Ouais, c'est moi qui t'a faussé dessus et je me suis emmené ton mur. Je sais pas où je dois aller. Ouais, non plus. Oui. Ah, pas du tout maniable. Oui. J'étais dans le vide, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est pas vrai, il y aura une solution. Ah, attends. J'y arrive. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Ouais, t'empêche, je vais continuer sans toi. C'est bon. J'arrive, je suis là. Tac. C'est bon. J'ai prêt. 1, 2, 3. Je suis sûr que c'est vrai. Ah merde, je me suis confondu. Je t'ai vu débarquer devant moi, mode j'ai pas compris. Ça va, tu le vis bien. Salut les gars. Oui. C'est pas trop si c'est de la motocross ou. Oui. Ah, ils sont. Ils galèrent un peu pour viser. Boum. C'est un accident. J'ai fait littéralement un accident, j'ai foncé dans le camion que je suis. Oui. Voilà. Je sais pas où je vais là. Tu es mort solo. J'ai un accident. Je sais pas où j'étais, hein.
Faudrait que ce soit le pauvre chemin. Ah ça va, on meurt pas en se prenant un arbre, quoi. Oui. Bon. Bon, je t'ai perdu, tu vois. Oui. Oula, putain. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Faut pas saluer, je crois que tu vas mourir. Bah, tu te fais un grip. Bah, oui. C'est un peu la même idée. Oui. Oh, mon perso, il vit la meilleure partie de sa vie, gros. Oui. Salut. Oh putain, la moto, comment elle est immaniable. C'est quoi? Gros plan herbe. Super, mais du coup j'ai pas vu comment t'es mort. T'es fait percuter, hein, pour faire un course. Hein. Ah, c'est là où j'étais tout à l'heure. Boum. Les mecs ils font demi-tour. Oh, c'est bon, il est mort. Bon, pour partir. C'est marrant parce que t'es. C'est moi qui étais là tout à l'heure. Ah bon? Oui. Oh. Stylé, mais... Juste les mecs sont cons, quoi. Comment ils sont faits pour se retourner, te rendre sous? Surtout pour des mecs qui ont jamais fait de motocross de leur vie. Bon, je suis dans le marais, hein. Moi. Bon, toi, tu prends 20 000 balles dans le cul, mais a priori, il suffit de respirer, donc ça va. Ah, salut. Oui. Ça va, les mecs, ils ont abandonné. Hein. Wow, ah non, pas du tout. Oula. Ah ouais. Faut mentir, j'ai l'impression de me croire dans la cité. Ou deux. Ça fait quoi si je suis tombé? Bah tu te vois. Oh bah là, c'est vraiment pas au-dessus, hein. Mais il est mort. Ouais, bon allez. Boum! Crambolage. Wow. Ah, maintenant, comment on va s'en sortir? Hein. Pendant ce temps, la police mexicaine se touche les couilles. Hein. C'est ça. Mais que t'as vraiment des mecs. Vite le banc d'air du Mexique. Oh non, ma moto. C'est quoi c'est cette mort là? Ah merde, mon moteur a explosé. Oh shit. Ah, tu es... Oh tiens, what are F0? Oh shit! Maintenant je fais tout en courant. Oh mais je veux pas que tu viennes au secours. Ah ouais. Ça a pris la grenade dans le cul, quoi. Merde,
Ça, je peux. Ah non, je voulais être écrasé. Oh non, oh, 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 la voiture. Putain, faut faire constat. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'accident? Du coup, comment on a un robotiste sur le sol. Pourquoi comment on se jette vers l'arrière? Ouais, j'ai arrêté les conneries. Ça me rappelle quelque chose, mais c'était en sens inverse. Je vois que l'avion est inno. Attends pas, ça se part. Vas-y, on les tue tous. Tu nous as fait un petit constat là. Je serais que curieux de savoir si on peut tout seul les tuer. Possible. Non, on reste là. On va aller à la plage. Et salut les gars. Ah, fais chier, putain! Oh! L'avion est parti sans nous! Bon, bah, on n'a plus qu'à aller après à l'aéroport et se voilà. Acheter la pillette à nous. Bon, vu comment la police mexicaine est nulle. Et moi? Bah, toi, non. Ah non, je me suis trompé de côté. Non, je vais passer devant l'avion. Ah, mais patient, toi. Ouais. Et toi qui pars. Les mecs qui sont dans l'avion en mode. Oh bah zut alors. Bon bah tu. J'espère que tu vas sauter pour me rejoindre quand même. Bah non, hein. C'est qu'à ses problèmes. Hein. On dirait que je te menace, hein. Non mais la moto. Putain la merde. La moto. On avait des armes mais plus là maintenant. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. J'ai pas d'argent. Vincent, you're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. Et maintenant je te tue. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? Ah, j'avoue, hein, pour retourner aux États-Unis, il y a une petite trotte quand même. Not really. All right, then.
Après, si tu mets tout le voyage à écrire ta lettre, c'est que vraiment tu l'écris lors d'amour. Ou tu sais pas quoi écrire. Carole, je te déteste. Putain, pourquoi je t'ai fait un gosse? Je te hais. Je demande le divorce. Et la gosse, à quoi elle se fait reculer? Signé, passant. Voilà. Je payerai pas les pensions alimentaires. Ah, j'ai cru que t'allais dire, je vais pas payer le timbre. Hein. Puis de la lettre, tu te démerdes. Hein. J'ai couché. Ouais, tu la lances là par la fenêtre, peut-être qu'elle arrivera à destination. Bon, c'est pas un seul malentendu. Hein. Ouais, ça va. J'ai tué 50 Mexicains, mais t'inquiète. Et là, boum. Boum, fin du jeu. Bon, maintenant qu'on a tué Harvey, qu'est-ce qui va se passer? La police nous arrête. On retourne aux prisons. Ah bah. Et le jeu se termine sur ça. La boucle. Non, je rigole. J'imagine. Et après, on se re-évade pour couper ta main. Ah. Ah bah finalement, j'avais pas... Oh merde, je savais pas moi. On se refait arrêter. C'est vrai qu'on est pas très tisserés quand même, canal. Comment on va pouvoir s'échapper là? Surtout qu'on a plus d'armes. Hein. Vous êtes en interstation pour évasion, tout ça. Ah, pas pour le maître des Mexicains. Ah non, on s'en branle. Il nous a balancé en keuf. C'est pas sympa de ta part de nous avoir balancé au keuf. Eh hey, mais je te reconnais, tu ressembles au commissaire dans les vidéos du joueur du grenier, ça. C'est l'inspecteur Magret. Ah, je suis un plus grand fan. Ah, laissez tomber, j'ai rien dit. C'est le inspecteur Bastouf. Ah, un peu. Une belle tête de tolère qu'on a là avec tes rafouquettes. Rafouquettes. Et hop, pièce qu'on va passer à conviction. Quoi? Comment ça? Ah mais je rigolais quand je te disais que j'allais te tuer quoi. Ah c'était une blague hein. Et voilà, la révélation. Du coup, attends, je suis un flic? Attends, ça te manque là. Je sais pas, il m'a dit beau travail, l'inspecteur Magret. Ouais. Qui se souvient? Ouais. C'est l'échange, ouais. Je suis dans le truc, le camion de Pima Ride, ok. Enfin, je sais pas. Ah ouais! Ah, c'est Vincent? Ouais, c'est lui. Putain, avant, il avait une moustache, quoi. Oh putain, comme quoi une barbe, ça change un homme, hein. C'est plus que je pensais. C'est. Plaisir de faire du business avec vous, guys. All right. He's got it. Ouais, c'est lui. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Okay. Shots fired! Go, go, go! Just join the area! Move in! Ah!
Oh bah Gary, il s'est pris une balle dans la tête donc. Ouais, je crois qu'il est mort là. Ah, une balle dans la tête, je crois que ça pardonne pas. Hein. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Attends, je t'ai... Non, j'allais dire... Si c'est moi qui t'ai interrogé, c'est double... C'est encore plus con, quoi. Ouais, non, j'allais dire, ça aurait été trop con quoi, qu'ils reconnaissent pas la voix quoi. Mais attends, mais t'es flic? Il va pas dire un mot. Ouais, je sais. Il y a seulement une option maintenant. Je vais trouver quelqu'un sur ça. James, si tu veux Harvey et le Black Orlov, c'est la seule façon. Juste mets-moi dans une cellule next to lui. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. Oh, t'as tué mon frère. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. D'accord. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Avec à flingue. Putain, toutes les aventures qu'on a fait ensemble, tout ça pour. Putain, mais je suis vraiment un flic, hein, ça se voit. Bon, je peux rien faire. Je retourne dans l'avion, moi. Allez, je me rends. Tu auras combien de temps? Coucou, ça va les gars? Et sachant qu'il y a un mec derrière, il pourrait très bien t'allumer, mais il le fait pas. Hein. Ça va, hein. C'est la police de France. Hein. C'est pour l'instant, moi. Vas-y. Ne tire pas. C'est vraiment la police la plus passive de tous les temps, quand même. Ouais, je tire sur l'avion. Putain, mon avion! Ouais, visiblement, personne. Mais des moments, la police est très, très laxiste. Chez le corona, éloignez-vous. Est-ce que tu peux les faire les éloigner? Tu pourras pas t'enfuir. Bah si. Attention. Puisque vous ne tirez pas. Oh non, il y a un mur invisible. Ça va, il y a la voiture de police pire en évitance. Ah, ils sont vraiment nuls les flics, hein. C'est un truc de fou. Hein. Là, ils pourraient me tirer dessus comme ils voudraient. Là. Bah ouais. Get in the fucking car. Go. Ah, j'allais dire, tu conduis. D'accord, bah je conduis. Oh la police, qu'est-ce qu'elle est nulle dans ce jeu. Oh franchement. I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down. Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Je peux te parler. Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say! Ah, tenace, but... I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. Je continuerai à frapper le mur, moi. Ah! Voilà, des morceaux, les deux. Fin du jeu. C'est pas qui aura pris le pistolet. Ouais, mais j'avoue. Non, pas moi, je propose qu'on reste.
Moi je suis Cécile, je suis bien. Je suis bien avec les poissons. Bah écoute, toi oui, moi pas, moi non. Ah d'accord, toi t'as mis un coup de poing, c'est bon, moi j'en ai mis 3, c'est pas bon. Coucou. Ah c'est marrant, là c'est chacun... C'est sûr que tu me trouveras pas. Ah mais merde, tu me tires vraiment de ça. Ah bah oui, c'est pas de mal hein. Y a pas grand chose que je puisse faire en fait. Bah à part, esquiver. Alors faut esquiver comment tu veux que je... Ah écoute, hein, c'est chacun sa... Attention au bateau. Non, visiblement, ça n'a pas fait grand chose. Je sais même pas ce qui se passe si je te bute. Bah, je crois qu'on va vite le savoir. Je sais pas si c'est si t'es ou pas. En même temps, t'aurais pas pu aller très loin, quoi. Je ne sais pas ce qui m'empêche de pas te tirer dessus, là. Peut-être le fait que j'ai pété... T'es pété un... Alors là, mon cochon, je vais pas te louper, hein. Bon, c'est quoi, c'est un V1, ça se passe comment du coup là? Oh, je suppose que oui, vu que j'ai pété ton bateau. Alright, come on, hurry. Ah non, c'est à te faire. Ah ouais, Et ouais, c'est un 2v1. I'll go this way. Ça ne peut que mal se finir. Oulala, je me demande ce qui va se passer. Get out of here. Go. Don't do anything stupid, Leo. Shut up. Just go. I don't want to hurt you, Emily. Just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! D'accord. Ah oui, bah, ah oui, d'accord, c'est vraiment un V1 quoi. Un V1 dans la rue. Oui, en tout cas, c'est original, c'est pas la fois qu'on s'attend quoi. Ah non, c'est. Bah, je suppose qu'il y a une fin selon qui c'est qui meurt ou pas. Enfin, je me dis ça. Hein. You can't hide from me! Ugh. Damn it! Had enough? I got plenty more bullets! Tu sais, j'allais te faire une run où je meurs tout le temps, mais là, je vais pas te rater.
J'avoue là, c'est... What, mais attends, je rêve ou je vais t'éteindre au mur. Coucou. Et moi quand même à commentateur pour ce moment. J'ai mon côté. Là 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 là. Moi je crois pas qu'on peut s'attaquer au corps à corps. Campeur de Call of. Elle mange deux. C'est ça. Bon, je sais pas à qui elle appartient Lucine, mais... Ça va faire une bonne pub, hein. Ah, t'étais là-haut. Mais ma manette n'est pas du tout adaptée pour retirer. Car je sais pas te sème le show estique en fait. Ah oui! J'ai un short pas te tactile. C'est pour ça que tu me vois galérer à visser depuis tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. En même temps, bon, je veux pas te mentir que le joueur clavier puisse avantager que le joueur manette, hein. Moi j'ai... C'est bon ? Je pense. À moins que je prenne l'arme et que je te foute une palle dans la tête, mais sinon... Ah, c'est peut-être un QTE, remarque. Ah, ouais. Manche 3 ? C'est ça. Bon, j'ai perdu les tes premières manches. Normalement, je t'aurais dû perdre, mais... Ah non, mais j'ai toujours ma vie en PLS. Ouais, t'es 1000 life et moi je suis un quart de life, quoi. Ah! J'ai pas vu. Oh. Ah ouais, ma vie! Ah ouais. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de mener pendant tout le truc et se faire battre comme ça d'un coup. Ouais, tu es toujours au-dessus de moi. Non, hein, t'as plus de vie que moi. Non, on est à égalité. Quoi? Oh ouais, j'ai gagné deux premières manches pour me faire... Je perds la troisième, bah c'est celle qui compte, hein, après tout. Combat oui. Manu. C'est quoi, c'est des... D'accord. Bah a priori, c'est toi qui devrais gagner, hein, j'ai plus de vie, moi.
Putain, mais vas-y, je vais perdre à cause de la troisième onde. Non, c'est dégueulasse. Comment ça, le QTE est... Ah bah, je crois que t'as gagné. Oh, c'est... Je suis dégoûté. Bah ouais, c'est moi qui vais perdre, hein. J'ai plus de vie. Non, mais c'est pété, quoi, le corps à corps qui te fait sauter. Qui m'a fait perdre deux tiers de ma vie d'un coup, quoi. Mais c'est une dingue. Ah bah, GG. Ouais, il te reste à la vie. Bah, je pense que tu m'en mets une et c'est plus mort, quoi. A priori, on va voir la fin de Léo et pas la fin de... A mon avis, il y en a un des deux qui meurt, hein. C'est pas le fan, hein. Bon, bah allez, la dernière patate, faut me tuer. Ah, alors peut-être pas. C'est scénario te donne une autre chance. Effectivement. Oh putain, mais c'est super dur. Ah, effectivement. Mais je crois que t'as gagné, hein. Je sais pas si ça change un truc, la vie ici. Genre, si comme t'as plus beaucoup de vie, ça me... Je crois que c'est le chemin. C'est le chemin qui change, je pense. Oh, ok, bon, bah... Non. Je suis obligé de... Oh. Finalement non. Ah, finalement non, j'ai pas envie. Bon bah j'ai pas le choix. Voilà, et visiblement l'arme a le pouvoir de ficher le temps. Donc... En vrai. Bon bah on va avoir la fin de Vincent. Vu que là, je pense que c'est l'ultime QTE. En vrai, on peut faire la deuxième fin. Hein. Mmh. J'ai juste, je pense, redémarrer à partir du chapitre. Comme ça, on a les deux fins. Mmh. Vu comment le jeu est court, bon, on peut se le permettre, quoi. De retourner en écran, Scindé, ouais. Et on sent que c'est pour la dernière, hein. Mais ouais, il y a du coup. Et voilà, mon écran s'est éteint, il ne reste plus que toi. Ton perso est mort. Enfin, Léo est mort, il reste plus que Vincent. Oh vas-y, on fera la deuxième fin en vrai, je suis curieux de voir là, ce que ça donne. Du coup Vincent qui survit. J'ai l'impression quoi, dans tous les cas, il y en a un des deux qui doit mourir quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de DLC en fait, c'est juste parce que bah... Ah. Je viens avancer comme un bonhomme que j'ai tué ton mari. Bah que j'ai tué ton gosse et ta femme. Bah je t'ai tué à ton gosse et à ta femme. D'autre que tu t'es fait repousser la moustache. Ouais, c'est rasé la barbe. Salut, ça va? Bah je viens de tuer ton mari. Ça va? Ah les grosses couilles hein, quand même. Ouais de con. Tu peux rentrer, je vous en prie. Tu peux rentrer. J'ai pas le choix. Hein. Hi.
Hey, Alex. Where's Leo? Il est mort. We need to talk. Je viens de tuer Léo. Alors, tu vas faire quoi? Alex, why don't you go out and play some ball? Et là, ta femme me tue okay. Et on est morts tous les deux. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. Après, il peut mentir, il dit c'est pas moi qui l'ai tué, hein. Léo est mort. It's about Leo. What about him? D'accord. Je pense que. Ouais, lui. Il n'y a pas le dialogue, je veux dire. Je pense qu'il lui avoue. Il lui avoue que c'est lui qui l'a tué. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne fin, quoi. C'est un rare jeu, vraiment, quoi qu'il arrive, il finit mal. Bon, Alex. Bah, papa, il est mort. Et c'est moi qui l'ai buté, alors. De toute façon, tu es dans une caravane, tu vas faire quoi, bon grand? Bon, moi je suppose que c'est sur ça que ça se finit. Ah non, encore une suite. Ah oui, bah on le voit sans doute avec sa femme et sa fille. La lettre de divorce. Ah non, c'est ma démission pour le bureau. Oh bah ça valait le coup de faire tout ça quoi. Elle a pas ta gueule de con. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Ok. Tranquille, quoi. Logique, la fin. Bah, la fin. Il trouve sa femme, son gosse, voilà, quoi. Ah ouais, la tombe. La tombe de 20 cm, quoi. Pas les moyens, hein. C'était soit ça la fosse commune, quoi. Ah, mais en 72.
sachant qu'il a des proportions puissantes, le petit quand même. J'avoue, il a quel âge? Non, je sais pas, je trouve que sa tête, elle est... Ouais, elle est petite, non? Je sais pas. Je sais pas, ouais, moi, je... Je pense qu'ils sont pas passés beaucoup de temps à faire des infos sur leur... J'avoue. Bon, bah voilà. Je pense que c'est sur ça que finit le jeu. Enfin, en vrai, je suis curieux de faire l'autre fin. Pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est classique. Bon, bah, c'était Riot. C'était un beau jeu. C'était ouais, sympa. C'était un bon jeu, court, sympa. Une bonne idée de gameplay. Bon, après, bon, pour vraiment le compléter, vaut mieux faire l'autre fin. En vue, vas-y, je passe. Comme ça, on fait l'autre fin et on parle après sur l'autre crédit. Comme ça, on a le temps de faire l'autre fin. Est-ce que je peux démarrer sur le... Ah, on peut... Ah bah, parfait. Si on reprend ici. Là, je me laisse mourir et puis voilà. Voilà. Nettement de monde fort. Bon. Bon, la vérité, maintenant, on sait que... Non. C'est un flic, quoi. Non, mais c'est cool. Bah, après, c'est cool. Bon, c'est quoi qu'il arrive, le jeu se finit sur une bad ending, quoi. Ah, non. Ok. Je retourne au menu. Y'a pas... Bah, je vais choisir le chapitre, au pire. Ce serait peut-être plus simple. J'avoue que le jeu qui redémarre sur une cinématique, c'est un peu bizarre, quoi. Pour lui, le checkpoint, c'est le... Bon, pas depuis le début, quand même pas. L'avant-dernier, peut-être. Non, la paix, le tueur à gage, une nuit. Décollage, le chute-livre, la randonnée, l'embuscade, le tir à découvert, le manoir. Non. Poursuite sur le canal. Ouais, bah la confrontation. Vas-y. Comme ça, on a l'autre fin. Là, je vraiment. C'est esprit de me mettre devant pour que tu me canales, comme ça. Là-haut, comme ça, avec ma manette. Ah, vaut mieux que je vais réussir à t'avoir. Vraiment? Même si je me mets devant toi, tu me tires dessus. Tu sais, mais. Bah, je fais ce pas super bien, quoi. Bon, en vrai, on peut passer. Ah, on peut pas passer, y'a pas un. On est obligé de se retaper les cinématiques. Bon, dommage. Bon. Comme ça, on pourra dire c'est laquelle qu'on préfère entre les deux fins. Bon, quoi qu'il arrive, bon. Il y a une famille brisée, une famille heureuse, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Dommage qu'on puisse pas skip les cinématiques. Non, j'ai beau chercher, il n'y en a pas. Parce que là, si je fais retour au point de départ, il va relancer la pointe de sauvegarde. Il va relancer au début de la cinématique. Ah, mais en vrai, ouais, Wyatt, c'était sympa. Hein. C'est rigolo, en vrai. Tu attends pas quand même de la fin. Ouais, j'avoue, ça arrive d'un coup quand même. C'est vénère. Hein. Elle arrive d'un coup en mode, bah voilà. Vincent, il est flic. Et Leo a buté le frère de Vincent. C'est vrai que ça arrive d'un coup, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'ils avaient pas de fin, en fait. Ils se disent, bon, bah voilà, on a tué lui, et puis après, on fait quoi? Voilà. Donc, c'est vrai que ouais, ça arrive un peu d'un coup, hein. Puis après, il reste quoi, 10-15 minutes de gameplay après ça? Mais l'idée de confronter, justement, je trouve ça sympa. Pendant tout le jeu, tu coopères, et là, d'un coup, bah, on s'entretue, quoi. You piece of shit!
Je sais pas trop où on est là, on est tenté plus haut. Ouais. Coucou. Coucou. Voilà, je te laisse me tuer. Donc ça, on a l'autre côté aussi. C'est vrai que c'est moi qui avais remporté les deux manches. Surtout, c'est pareil, j'ai l'impression. Bah c'est ouais, que c'est toi à la place. Ouais, voilà quoi. C'est pas ouf quoi, on va dire, mais bon. Pour moi, on aurait vu les deux. On grand effort au. Ouais. Ah ouais, c'est. Avec un peu con quoi. Tu vois, il y a peut-être un succès hein, si on. Ah, heureusement que c'était derrière une fenêtre. Hein. Je crois que c'est toi qui l'avais remporté cette manche-là. Bon, de toute façon, je suis. Ah oui, je t'avais fait les coups pétés au corps à corps. Toi, tu l'as vachement plus tôt que moi en vrai. Ça t'es pas être la direction dans laquelle ta caméra est. Ah peut-être. Bon allez, je te laisse me tuer. En plus tu es full vie donc vraiment on va voir si c'est une question d'endurance ou pas. Va pas trop vite. Je vais absolument pas pire. Hein. Donc Là, c'est quand tu joues avec ton petit frère ou ton petit cousin hein, qui sait pas jouer au jeu. Qui lui reste. Toi t'es full vie, lui il est pas full vie. Ouais. Bah, après, si ça se finit comme ça en vrai, aussi, cocotte lui. Ah bah non, j'aurais pas ma fatalité. Ah non, c'est vrai, t'es obligé de perdre un peu de vie quoi. Et là, tu as une fois différente en fonction de la santé qui te reste à la fin. C'est assez marrant, mais je pense pas qu'il soit aussi aussi motivé de pourquoi pas. Bon voilà, allez, ça va être le QTE. J'avoue que les deux premières phases, la deuxième et la troisième, sert pas à grand chose en vrai. Si par exemple j'arrive en premier et je te tue un coup, bon, et que t'es quasi full vie, bon, c'est un peu con quoi. Enfin, il n'y a que le QTE qui sert à quelque chose. Ah non, en vrai, attends, ça joue quelque chose, ça fait quelque chose ouais, quand t'es full vie. J'ai quand même l'impression que je réussis beaucoup plus vite que. Ah ouais. Donc ouais, c'est. Ouais, effectivement. Puis tu attends, à ton avis, si on part et qu'on revient à Thomas, ça sera toujours encore comme ça. Ouais, on a vu, ouais. Oh putain, elle pèse trop lourd. Oh putain. Ah non, je peux pas bouger les vis. Ah, heureusement. J'essaye aussi, hein. bon, finalement, non, j'ai pas envie.
Bon, allez, on va voir la fin de Léo. Non, mais du coup, tout à l'heure, ça veut dire que t'as réussi le QTE alors que t'avais. J'avais moins de. Que j'avais l'avantage sur toi. Ouais. J'ai réussi le QTE alors que. Tu avais un peu plus de vie que moi. Non, mais le clavier contre ma manette, c'est pas chose. Je crois que le. Non. Non, ouais, non. Je crois que c'est pareil. C'est parce que si tu. Bon, bah, du coup, on sait ce qu'il y a écrit dedans, quoi. C'est ça, les deux missions. C'est la demande de divorce. Mon écran va s'assombrir là. Et là, tu la jettes. Bah les couilles. Je la brûle. Oh, tes dernières volontés, bah les couilles. Ah, est-ce que tu vas annoncer du coup à ma femme que je suis mort? Ah bah je me suis fait pousser la porte aussi. Ah bah tiens. Côté Vincent il se la rase et côté Léon il se la laisse pousser. Je me demande qui a pu bien poser cette lettre. Ah, après, je. Il est toujours recherché par la police, je pense. Ah bah du coup on l'a là. Just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises, not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me. I'll be the husband you once loved, and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Ah bah, c'est pas de chance. Il est mort. Oh, bah. Ah bah, c'est pas de chance, hein. Est-ce qu'il vit toujours dans un camping-car dans le bidonville du coin? Ah non, on est passé au motel. Il y a de l'évolution. Hey buddy. Hi. Hey. Linda.
you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Ok, ouais, bon, que ça suit le même pattern, quoi. Bah, quand même plus de monde dans mon enterrement qu'à le coach, hein. La Légion d'honneur, un triple posthume, super. Ça, le bébé, il calme, hein, il gueule pas, hein. Relève, ouais, tu as encore une perso. Bon, écoutez, hein. On est mortellement tué. Hein. Et là, il passe devant le cimetière. Font des doigts en partant. Ah, il est mort ce couillon. Bon bah on a vu les deux fins. Voilà, c'est fini pour le Wyatt. Ouais. Oh ouais, comme tu l'as dit, ouais, c'est un très bon jeu, ouais. Même si, je sais pas, le truc de fin, genre t'apprends Vincent, il est flic à toute fin. Bon. C'est vrai qu'il y a quand même quelques signes, genre à aucun moment on le voit tuer des flics en fait, à la... quand on est à l'hôpital, il tue aucun flic. Non, ouais, c'est un bon jeu, bien pensé. Dans son côté coop, tout ça. C'est rigolo, en vrai. Après, que dire de plus bon. Bah, en vrai, on a bien rigolé, en vrai. On a rigolé sur les morts du jeu, quoi. Il y a des petits trucs marrants, ouais. Alors que le jeu se veut hyper sérieux. C'est dommage qu'ils aient pas tenté de faire un autre jeu dans le même style, on va dire. On va dire adulte, hein, parce que bon, leurs autres jeux c'est It Takes Two et. Et un autre jeu, mais c'est pas un jeu coop. Ils ont fait aussi une Unravel, mais bon, c'est des jeux coop. Certes, pour les mécaniques de coop, on peut vraiment saluer leur taf, mais bon. Il y a des histoires, bon, c'est vrai que Wyatt, sympa. Bon, après, la meilleure des fins des deux. Oui, c'est celle de Vassar, je pense. Bah disons qu'il lui il porte les couilles quoi, il assume d'avoir tué Léo et il va le dire à sa femme tout ça quoi, donc quoi ouais, c'est... Enfin, il le dit pas, il lui promet juste son papier, c'est tout. Pour Léo ouais, il donne juste le papier quoi, là dans bah, du côté Vincent il dit à sa femme carrément, à la femme de Léo quoi, voilà, j'ai tué ton mari quoi, bref. Après bon les deux fins, ça ne peut être que mitigé quoi, je veux dire, côté Vincent... Quand c'est la Vincent qui gagne, bah voilà, c'est bien, bah c'est heureux quoi. Pour lui, c'est triste pour la famille de Léo et inversement quoi. Y a pas, voilà, y a pas de good ending quoi. Fares. D'accord. Pourquoi pas. Mais ouais, c'était un jeu stylé, un jeu marrant à faire. Pas très long à faire en plus. Je crois que là, on l'a fini en moins de 10 heures. En ayant fait quasi toutes les morts du jeu. La preuve hein, qu'il est vraiment pas long, hein. en 10 heures on a quasi exploré tout leur truc. Bon après il y avait d'autres... Pareil au niveau des succès, c'est pas un jeu qui a beaucoup de succès. Hein. Donc il n'y en a que très peu. Mais en même temps c'est un jeu qu'on peut faire uniquement en coop. Ouais. Non en vrai, non. C'était rigolo. Après niveau défaut...
Ouais. Et qu'après, même si Osho coop en ligne, l'écran saté, il reste comme moi d'ailleurs. Ah, de toute façon, ouais, c'est toujours cet écran-là, quoi, en écran saté. C'est... Quoi qu'il arrive, ça reste comme ça. Non, défaut, pas vraiment de défaut. Hein. Mais activement, oui, il est beau. Hein. Niveau histoire. Le seul défaut, c'est un peu court. Mais après, ouais, voilà. C'est la durée de vie, mais bon. Ça va, quoi. Une dizaine d'heures, ça va. Après, oui, j'avoue que si ce jeu, le mec l'a acheté 50 balles. J'avoue que pour 50 balles, un jeu de 10 heures, bon, ça pique un peu, quoi. Après, pour moi, il y a le prix aussi, quoi. Un grand merci à l'équipe Origin. D'accord. Ouais, c'est vrai que si ce jeu il était vendu 50€, je crois que non, il était vendu 30 balles. Bon, 30 balles même, je trouve que ça fait un peu cher pour un jeu de 10 heures, quoi. Mais bon. Ouais, sa durée de vie, ouais. Il est court, mais bon. Et puis, je pense qu'une fois que tu l'as fait une fois, bon. Vas-y, quoi. Je pense que. Le faire avec une autre personne. Ouais, aussi, moi. Pourquoi pas, hein. Comme ça, t'as le gameplay de l'autre, quoi. Genre, bah, tu joues avec un canon et tu prends l'autre perso. Parce que, bon, encore, ils ont des trucs qui changent un peu, mais c'est tout, quoi. Non, en vrai, ouais, la rejouabilité, aussi, hein, mais bon. À part faire les succès, bon, vas-y, il n'y a pas d'autre raison, quoi. Une fois que tu sais le scénar du jeu, bon. C'est un jeu un peu à histoire aussi. C'est un jeu un peu à histoire et un peu à gameplay, quoi. Et bref, c'était cool à faire en coop, comme toujours. Surtout pour moi qui fais généralement des jeux un peu dans le style animé et tout ça, pour une fois faire un truc un peu réaliste. C'est vrai. Hein. C'est un dommage qu'il n'y a pas plus de jeux de ce genre, comme le même genre que Wyatt. Après, c'est des jeux très enfantins, hein. C'est East Take Two et une Ravel. Hein. Oui, mais attends, je te jure, je ne sais pas où je l'ai. 2014, mais tu vois, enfin, une fois comme ça que une fois heureuse entre qui il y a un mec. Ouais, là pour le coup, ouais. Je trouve que ça marque plus là et c'est une fois qu'on va se souvenir. Ouais, franchement, ouais. Par exemple, je me souviens plus trop, je pense que tu te souviens plus trop ni moi de la fin de Borderlands 3, mais alors là, la fin de Wyatt, on va s'en souvenir quoi. En plus, avec les deux fois différentes. Ouais, c'est stylé, ouais. Il devrait le refaire avec deux autres prisonniers, quoi. Oula. Bon, bah voilà, c'était East Take Two. East Take Two et Wyatt. En soi, c'était pas après Sony. C'était un infiltré, ouais. Et après, ça explique aussi pourquoi les flics étaient si cool tout le long, en fait. C'est-à-dire, ils nous ont laissé étoler, laisser faire les vacations. Ouais, ils m'ont un peu laissé faire, tout ça. Je pense que. Il y a peut-être des trucs cachés, tout ça, quoi, bref. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'était Wyatt. Ouais. C'est bien sympa. Allez, à bientôt.